Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Fidèles aux hommes, ces hommes noirs, Taïmada, Chino, Tuenene. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. L'actualité, c'est d'abord, il faut balayer des rumeurs. Vous avez une rumeur qui circule sur Internet où l'on voit l'ancienne première dame dans une photo qui est publiée par certainement des hommes et des femmes peu conscients, je peux le dire comme ça, qui s'adonne allègrement au mensonge, vraiment au mensonge en tout cas. Le bureau où l'ancienne première dame se trouve, ce n'est pas la maison de l'ancienne première dame. Non, c'est l'un des bureaux, l'un des salons d'honneur de l'aéroport d'Njili. C'est cette photo-là. Et l'ancienne première dame, très respectueusement d'ailleurs, hein, que je salue en passant, elle s'est trouvée là, elle a pris cette photo-là. C'est pourquoi vous avez vu la photo du chef de l'État derrière. Mais vous avez entendu des gens qui sont habitués dans les fake news, parce qu'en réalité, ils n'ont rien d'autre à faire que ça. Ils ont raconté, non, c'est la photo, cette photo, c'est dans la maison de l'ancienne première dame. Et donc, elle a la photo du chef de l'État derrière. C'est du n'importe quoi. Pourtant, en réalité, d'ailleurs, il faut le dire, l'ancienne première dame n'a rien à voir avec le président de la République. Il n'y a peut-être pas de problème. Mais comme ces gens-là ne vivent que dans la polémique, et la polémique basse, parce qu'eux-mêmes ont un niveau comme ça, ils se mettent à raconter des histoires. Mais donc, je vous dis la version. Moi, j'ai vu ça sur Internet, circuler. Je n'ai pas retenu le nom des comptes parce qu'après, c'est des noms peu fréquentables et peu recommandés. Donc, je vous dis déjà que ça, c'est faux. Ça, c'est... Deuxième chose, deuxième fausse rumeur. La première dame se serait rendue ou est en train de se rendre à l'Équateur en Mbandaka. Azo kenimbanaga sikote programme yo kenimbanaga sikoyo ezate. Donc wana pedal kamwe lokuta, il fallait ko lobaya ngo parce que biso to lobi ke to kotika batana lokuta te. Donc yango wana. Aussi un autre truc que je voudrais rapidement corriger. Ezali ba propos irresponsable, je vais lire, hein, dans le souci d'épargner au Saint-Père l'opprobre et de lui éviter d'être la caution morale d'un pouvoir agonisant, impopulaire et en quête de légitimité, son histoire, donc son parti, ce que le parti Naé, recommande très respectueusement au pape François d'annuler sa visite jusqu'au rétablissement total de la sécurité dans notre pays, au respect de la Constitution et des lois de la République. Déjà, premier paragraphe, vous trouvez qu'il y a de l'embrouille totale. Donc, il y a des gens au Congo quand même, moi je suis convaincu, qui ne disent pas des choses de façon sans faire quelque chose. Je crois qu'il y a des choses qui sont faites avant qu'on dise des choses pareilles. Parce que quand on est sérieux, on ne peut pas confondre la visite du pape. Le pape, quand il vient dans un pays, ça n'a rien à voir avec le fait que la sécurité soit respectée, rien à voir. Le pape s'est rendu en Amérique latine. Quel est ce pays d'Amérique latine qui est stable, qui n'est pas déchiré, soit par des guerres, soit par la délinquance qui atteint des proportions inquiétantes comme au Brésil? Dites-moi un peu, citez-moi un seul pays où le pape s'est rendu et qu'il n'y avait pas de problèmes sociaux. Si vous me citez un seul, je m'arrête. Tous les pays où les papes ont visité ont des problèmes. Soit les minorités sont négligées, soit les droits des citoyens sont menacés, soit il y a une insécurité quelque part, soit il y a un désordre. C'est toujours, c'est même ça la raison biblique de certaines visites des papes. Ils disent, nous allons là où les gens souffrent, nous allons là où les gens ont des problèmes, nous allons là où les gens ont véritablement soif, soit de la justice, soit de la paix.
Mais voilà un monsieur au Congo qui dit non, non, pape, ne venez pas. Parce qu'ici, il y a encore l'insécurité. Vous voulez qu'il parte où? Qu'il parte à New York? Qu'il parte en France? Vous voulez qu'il parte où? Et puis, on dit jusqu'au rétablissement total. Au rétablissement total de la... qui va rétablir cette paix? Voilà comment les gens sont. Enfin, dit, Namutu, Nabango, il n'y a que politique, politique, politique dedans. Quand le pape vient dans un pays, la question politique, ce n'est pas une question principale. C'est une question extrêmement secondaire. Ce n'est vraiment pas des liens parce qu'il aime le président. Et les gens devraient le comprendre. Si le pape François vient ici, ce n'est pas parce qu'il aime Fachi. Ce n'est pas parce qu'il adore Fachi. Non. Parfois, son agenda a été déjà fait depuis 2 ou 3 ou même 5 ans dans le passé. Et vous voyez Fachi partout, dans tous les succès, tout comme dans tous les... ma performance, le peuple congolais et les fidèles catholiques ont encore frais dans leur mémoire les injures, les propos diffamatoires et irréversieux contre la personne du cardinal Ambongo et violation de son domicile du centre Lindongue à Kinshasa et la profanation de l'église à l'intérieur du pays par des inciviques instrumentalisés par le pouvoir en place. Au moment où nous avons dit que ce qui va kangier brûle pas que non, il a acharnement, ce qui va kangier brûle pas que non, la justice ne peut faire son travail, il a à propos, comment on dit ça, il a liberté d'expression. Quand quelqu'un affirme biloko modelo yo sans honte, alors hein, affirmer en clairement ce qui va interpeller, bah il sait ok, comme lui a déjà la preuve que pouvoir en place, mon pensez qui bat toi bamando qui va nous profaner, tengela bi sota église moko to deux églises qui profanées. Le monsieur aura du mal à vous citer les églises profanées. Or, il y a des abbés, des prêtres de l'intérieur qui ont dit il n'y a pas eu profanation politique ou envoi politique, il y a eu des voleurs de croix. Et des voleurs de croix et des voleurs de bah, un signe, non, bah, je sais pas comment on appelle ça, bah, symbole, aux en église, c'est depuis longtemps que bah, ibakango, bah, tout bah, ibakango, parce que bah, fou, bah, so, bah, kakango, libanda, et ça leur donne de l'argent. Donc, ce n'est vraiment pas de la profanation au sens où les politiciens ont donné de l'argent. C'est des voleurs qui sont poussés, soit par la crise économique, soit par la pauvreté, ne bah, ibi, bah, teki. Et ça, c'est l'église, le prêtre eux-mêmes l'ont dit. Pourquoi nous avons une mémoire et un coup c'est beau pour raconter des anéries comme ça? Et bizarrement, les gens voudront qu'ils respectent votre boue. Ils vont dire, oh non, on a droit au respect. Comment on va vous respecter avec des propos aussi désobligeants comme ça? Et n'a pas raccourci à modèle. Les propos et injures, monsieur Ambongo, qui ont insulté les cardinals? Donnez-nous un ministre, donnez-nous un cadre du parti. Je dis cadre du parti présidentiel. Un ministre ou un tout le monde à la présidence ou un cardinal qui va propos irréversieux. Mais le contraire, je peux vous l'enropper, c'est bien. Le contraire, belé des propos tenus par lui-même, le cardinal. De propos parfois peu recommandables ou peu recommandés. Je ne dis pas que c'est des propos mais que l'on ne peut pas dire aux autres. Alors, à un moment donné, et puis au-delà de tout ça, ce n'est pas, encore moins, il faut vous dire, ce n'est pas le cardinal que nous avons, le cardinal actuel du Congo, il n'influence pas l'agenda du pape. Ne vous en faites pas. Les cardinals, de toute façon, tous les cardinals d'Afrique, aucun cardinal d'Afrique ne peut influencer l'agenda du pape. Si le pape dit qu'il va venir, ce n'est plus au niveau d'un cardinal de dire non, ne venez pas. Encore que celui de dire ne venez pas, il doit fournir des raisons. Et généralement des raisons sécuritaires. Et ces raisons sécuritaires sont analysées par la cellule de sécurité du pape. Ou alors, vous devez comprendre Penzaro la papeté. Le pape est un président d'un État. Le pape est un président d'un État. Il a une cellule de sécurité, un groupe Naya Sécurité, Bazana Bango, qui sont mieux informés, qui comprennent Mamakambo. Non, vous pensez vraiment, heureusement que le pape ne lira pas ce message, vous pensez toucher le pape dans un sentiment pour dire que non, on a insulté un cardinal ici. Oh, le pape s'est rendu là, on a tué des cardinaux. Ou alors, bonjour, Mamambo, le bâté. Dans le passé, l'histoire démontre que les papes sont allés là où on a persécuté ma pasteur, ma abbé, là où on les a tués. Oh, alors, tu vois comment on monte le matin?
Donc parce que non ma fille a un gardien n'est pas bien alors ma fille a gibiso toko yakuna te non le pape est allé, les papes sont allés là où on a crucifié des cardinaux, là où on les a molestés, là où on les a tapés, là où on les a tués, ou même là où les églises ont été profanées pour de vrai. Ma pape, ma kenda, les papes se sont rendus là où on a tué des chrétiens catholiques. Bakangi bango placement ba tumbi bango mais ba pape ba kenda na ma mémorial wana. Ba pape ba kenda là où l'église catholique a été profanée, ba kenda. Et il va pas venir place au Nizali. Avant de faire des déclarations comme ça, on essaie d'apprendre deux ou trois petites choses. Un, les papes se sont déjà rendus là où on a fait quoi? Là où on a calciné des chrétiens. Ils sont déjà partis. Les papes se sont déjà rendus dans des pays dictatoriaux. Les papes sont déjà allés dans les endroits où empire est allé. Les papes sont déjà allés dans des états non démocratiques. Les papes sont déjà allés dans des états où il y a eu des coups d'état. Les papes sont déjà allés dans des endroits où il y a eu des guerres. Les papes sont déjà allés là-bas. Donc ça ne sera pas la première fois. Il faut dire à des gens comme ça, va comprendre logique, hein, sinon c'est assez compliqué. Un autre propos, c'est le propos du président de la CENI, Denis Kadima, après avoir rencontré M. Mbosso. Alors, il y a une proposition de loi, nous allons l'analyser à notre niveau, discuter avec l'Assemblée nationale, et nous espérons que durant cette session du mois de mars, les discussions devront avoir lieu, et même nous devons avancer jusqu'au point d'avoir des réformes, les cas échéants, parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Le message est clair, nous sommes la Commission nationale, électorale nationale indépendante qui travaille pour un processus électoral de qualité. Et pour le faire, nous collaborons avec plusieurs autres institutions. C'est pour ça que dans un passé récent, nous avons rencontré le chef de l'État et le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le tour de voir le président de l'Assemblée nationale. Vous savez le rôle que joue cette institution, non seulement par rapport à notre désignation, mais aussi par rapport au travail proprement dit, notamment toutes les questions liées à la loi. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée pour discuter de la collaboration qu'il y aura entre nos deux institutions. Vous savez sans doute que la CENI conseille le Parlement en matière électorale. Voilà, c'était le propos du président Kadima qui finalement rassure les Congolais que les élections auront lieu. Mais moi, je peux vous garantir, mesdames et messieurs, donnons un peu, ça je peux vous inviter à donner un peu de crédit, encore une fois, de crédit dans le processus. Si je dis beaucoup de crédit, ça peut marcher. Donc donnez du crédit, faites confiance un peu dans le processus en entendant tout le monde. Parce que jusque-là, on doit dire, la CENI a passé ma test et bien. Mais bon, on a que niveau à contestation, il y a qui avant, le niveau à contestation à l'élo et qui dit. Pourquoi? Et les opposants? Et ceux qui sont là comprennent maintenant que le leadership de la CENI actuelle force le respect. Ça force même le respect. Parce que le principe, d'abord, par exemple, pour Denis Kadima et toute son équipe, Balingi Bélection Salima, même Batualiba n'a pas voté. Donc pour eux, il faut que même les Congolais de l'extérieur puissent voter. Mais comment vont-ils voter? Faut-ils mettre des centrales, dans l'ambassade, comment ça va se passer? Comment on saura distinguer que tel est Congolais et tel n'est pas? Donc tout ça, c'est des questions qui doivent finalement se poser. Et c'est des bonnes questions. Donc j'estime à un moment donné que cette volonté d'être transparent est là beaucoup plus manifeste. Le fait déjà de dire aux gens, par exemple, nous voulons aller aux élections, mais nous voulons d'abord débattre sur la cartographie électorale. C'est des questions très importantes. C'est au cours de ce débat, sur la cartographie, on va faire certainement appel à un statisticien, parce que j'ai du mal à lire, à prononcer ce mot. Alors, donc, il ne faut pas s'appeler Nabango. Il ne faut pas s'appeler Nabango, il ne faut pas s'appeler tous ces gens qui comprennent cette question, travailleurs, il y a ceux qui sont experts, il y a population, mouvement, mais donc on a tout faux, Nabango. Et c'est très important. Et ces débats-là, ils vont décrédibiliser beaucoup plus le débat sur Makamba Seni. Voilà pourquoi je dis que Yakadi, quand je l'appelais Yakadi à l'époque, c'était vraiment pour dire que Yakadi, il y a un bilo qu'on a yé à Inango. Et il faut croire en ça, et ça peut toujours marcher. Voilà. Et puis, il y a un autre élément sur le plan de décaissement. Il faut que le gouvernement. On ne parle pas du ministre des Finances ici, du gouvernement. Il faut que le gouvernement comprenne que la crédibilité de la CENI passera aussi par un plan de décaissement raisonnable, habile et prompt.
Lorsque votre plan est réaliste et qui permet à la CENI de travailler convenablement, faites-le. Mais ceux qui binomogo déjà besoin de difficultés, voilà, comment voulez-vous que Magambo Kende bien? Je pense que le gouvernement est appelé à faire vite, à bouger un peu plus. Et toujours, tout en respectant l'autonomie de la CENI. C'est très important. C'est très important. On va terminer là-bas à propos avec le président Martin Fayulu qui est à Boindé. Bon, une autre rumeur qu'il faut caler, il faut casser directement. On a vu des photos comme quoi Martin Fayulu est un Mbama qui malamouté Nabatou. Ils ont l'okuta. Il a été bien accueilli. Ben Mbama qui est bien Nabatou peut ébélé. Alors tout ce qu'il y a l'okuta, il y a que Ben Mbama qui en a 2-3 personnes, 4 personnes. C'est faux et archi faux. Il a été accueilli par plusieurs personnes. Il faut le reconnaître. Et ça, il faut le dire. Alors, pendant cette rencontre-là, il a dit, préparez-vous pour le grand changement. Les élections arrivent, pas de glissement. Il nous faut une CENI dépolitisée. Vous allez récupérer votre victoire et nous allons reconstruire ce pays ensemble. C'est un discours responsable. Responsable. Le président Martin Fayulu a tenu un discours responsable. Il dit aux gens, les élections arrivent. Il prépare les gens dans l'élection. Je le trouve beaucoup plus assagi, beaucoup plus sage aujourd'hui. Parce qu'il faut lui dire qu'aujourd'hui, le président Fayulu comprend que chaise vide et foot à rater. Et vous voyez que c'est comme ça aussi que nous voulons que nos politiciens comprennent. Je pense maintenant qu'il peut avoir des bons conseillers dans Minuto. Peut-être que Batozo conseiller dans Minuto, bah conseiller bien Penza. Monsieur le président Martin Fayulu, c'est tout ce que moi je pourrais vous dire aussi. L'union sacrée est en train de se dormir. Profitez de ce temps-là pour reconstruire votre pays, votre parti. Implantez le parti à travers le pays et soyez prêts pour les élections. Une tricherie ne marche que lorsque vous êtes désorganisé. Si vous êtes bien organisé et que vous êtes bien préparé, peu importe la tricherie, ça ne marchera pas. Mais si vous êtes désorganisé, vous laisserez les fissures et la tricherie rentrera par là. Donc je vous conseille de vous concentrer sur les élections, à la préparation des élections, un peu comme vous le faites là. C'est déjà un bon discours. Vous voyez tous ces gens qui sont venus vous accueillir na Boindé. Bon, c'est les mêmes personnes qui accueillent toujours tout le monde Bayakawana. Mais vous pouvez avoir un bon nombre pour Nabino, pour Nananinga Solo. Mais il faut maintenant savoir transformer la popularité dans l'électorat pour garder Bango. C'est très bien, je pense, qu'il faut le faire. Le peuple congolais mérite que sa voix soit enfin entendue. Car aussi longtemps que sa volonté politique sera différée ou lui sera refusée, la probabilité d'une instabilité additionnelle et des violences potentielles pour notre pays et la région sera élevée. Mais Tshisekedi a déjà entrepris plusieurs initiatives qui minent la crédibilité des élections de 2023. Bon, on peut le prendre, ça c'est un penchant politique et c'est assez normal. Mais au moins, le corps du message, il est bon. Et moi, je trouve que ça, c'est un message le plus, on va dire, le plus responsable depuis M. Fayulu Bani, discours, il y a ma marche, il y a ma déplacement, tout ça, où il appelle parmi ma discours responsable. Il appelle aux élections, il mobilise son peuple, il met tout le monde dans la même direction, il attaque un peu le pouvoir en place. C'est comme ça que l'opposant peut faire. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais seulement, on dit, maintenant, il faut travailler. Et l'union sacrée doit aussi travailler. Et c'est exactement ce qu'on attend. Ce qu'on attend de tout le monde. On va terminer cette émission avec l'actualité aujourd'hui. Africa News. Je confirme que tous les permis et licences détenus par le groupe Gettler seront restitués. Ah, bref. La condamnation des artistes Ndengo et Moïse a fait jaser la démocratie bâillonnée par l'emprisonnement de deux rappeurs. Rappeur. Voilà. Alors, j'ai pas voulu parler de cette affaire de Dan Gletter parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je crois avoir donné mon point de vue sur la question. Kadima, en plaidoyer chez Mbosso et Bahati, feuille de route, réforme électorale, financement des élections. À son tour, Fachi tacle Jonas. Diplomatie. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du corps.
réponse, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par le